Je suis Fabien Arnaud, je suis directeur de recherche au CNRS. Et ici, nous sommes dans le laboratoire de sédimentologie du laboratoire Editem. Et le laboratoire de sédimentologie, c'est l'endroit où on va traiter et ouvrir les carottes, les échantillonner. Et c'est l'endroit où on va commencer à apporter une première lecture sur ces archives naturelles. Aujourd'hui, on a une procédure qui est relativement bien établie pour étudier ces carottes de sédiments. Donc, nous, on travaille essentiellement sur des carottes qui viennent de lacs ou de lagunes. Et qu'on va étudier sous l'angle de leur composition physique et chimique essentiellement. Alors nous on a créé effectivement le système de carottage. Ça c'est nous qui l'avons designé et construit sur place. Il y a tout un tas d'appareils aussi qu'on utilise et qu'on a conçu nous-mêmes. Par exemple l'ouvreuse de carottes qu'on a vue tout à l'heure, effectivement elle a été aussi designée et construite au laboratoire. On pratique une géologie des périodes tout à fait récentes, puisque quand on va chercher une carotte, le sommet de la carotte correspond au moment présent, au moment où on a prélevé cet échantillon. Et ensuite, le fait d'étudier des couches de plus en plus profondes à l'intérieur de ces carottes, qui parfois, pour les plus longues qu'on a étudiées, font une trentaine de mètres, ça nous permet de remonter dans le temps. Plus on va aller en profondeur, plus on va remonter le temps. Donc là, par exemple, on est sur une carotte, on est sur le sommet d'une séquence de carottes, donc on est sur la carotte tout à fait supérieure. Nos carottes peuvent faire des fois une dizaine de mètres, aller jusqu'à 30 mètres. Mais ici, on est au sommet, donc ici, on est à l'interface entre l'eau et le sédiment, donc qui correspond à la date du prélèvement. Et quand on va descendre dans la carotte, on va avancer dans le temps. En général, typiquement, on est sur un taux de sédimentation qui est d'environ 1 mm par an. Et donc 10 cm font 100 ans, 1 mètre font 1000 ans, et avec 10 mètres de carottes, on a les 10 000 dernières années. Et donc on va essayer de reconstituer tout un tas de paramètres environnementaux qui vont de la végétation à l'érosion, aux apports de contaminants, qui vont nous permettre de reconstituer l'histoire complexe d'interaction entre les humains, les sociétés humaines, le climat et le milieu. Bonjour, je m'appelle Erwan Messager, je suis chercheur au CNRS et je suis paléoécologue, c'est-à-dire que je travaille sur l'écologie du passé. Donc en allant chercher les sédiments au fond des lacs, on va chercher une histoire du bassin versant du lac. C'est-à-dire que le sédiment qui se dépose au fond du lac, il va enregistrer petit à petit toute l'histoire de ce qui se passe dans le bassin versant du lac. Pour faire parler les sédiments lacustres, on a plusieurs outils disponibles. On va regarder par exemple l'ADN pour parler des animaux ou des plantes, mais on peut aussi regarder les grains de pollen par exemple, qui nous permettent de parler de la végétation du passé. Donc l'idée de ce type d'analyse, c'est de pouvoir reconstruire l'environnement du passé et reconstruire comment l'environnement a changé en fonction des activités humaines. Donc en fait, on va comme ça documenter toute l'histoire de l'environnement en lien avec les activités humaines. Et évidemment, la portée par rapport à aujourd'hui et à notre futur, c'est en regardant dans le passé comment l'environnement réagit aux activités humaines, on peut aussi avoir une idée de comment l'environnement pourra réagir en fonction des activités qu'on va mener dans un bassin versant. En fait, toutes les analyses qu'on mène actuellement sur les carottes, donc on va regarder différents marqueurs de l'histoire de l'environnement, le sédiment, les grains de pollen, on en a parlé. Et tout ça va nous permettre de parler de l'environnement dans les bassins versants, mais en fait, c'est difficile de représenter ça dans l'espace. Et donc l'étape un peu future de nos activités, c'est d'arriver à modéliser tout ça avec des outils numériques pour remettre dans l'espace nos résultats.